Thanks. La prochaine est Madame Poutonnet. Merci, Madame la Présidente. Ce rapport sur le contrôle de l'application du droit de l'Union suit le canon des précédents, toujours les mêmes rengaines. Il demande à la Commission d'ériger la conformité au droit de l'Union comme réelle priorité politique. Ce Parlement et la Commission sont toujours prompts à s'ériger en prêtre fouettard vis-à-vis des États membres qui se comporteraient en mauvais élèves au regard de la doxa bruxelloise. J'invite la Commission à montrer l'exemple et à ériger la conformité de ses actes au traité en véritable priorité, en commençant par l'application et le respect du principe de subsidiarité prévu par l'article 5 TUE. La Commission le méconnaît et ne respecte pas l'obligation de motivation des projets d'actes législatifs prévus par le protocole numéro 2. Les États membres, dans leur déclaration d'Édimbourg en 1992, ont pourtant affirmé que l'Union européenne repose sur la subsidiarité et l'ont même consacrée comme principe fondamental. D'autre part, ce rapport ose affirmer qu'un euroscepticisme injustifié est dû aux mesures superflues, je cite, prises par les États membres lors de l'application des législations de l'Union. Alors vous ne seriez responsable de rien, irresponsable du chômage de masse et de la destruction d'emplois partout en Europe, irresponsable de la submersion migratoire que vous avez organisée et dont vous imposez la répartition aux peuples qui n'en peuvent plus et n'en veulent pas, comme nous l'a montré le référendum hongrois. Vos politiques sont irresponsables. Vous n'avez besoin de personne pour provoquer le mécontentement et la colère des peuples, mais pour donner des leçons de morale, vous êtes toujours les premiers, à l'instar du ministre des Affaires étrangères luxembourgeoise, appelant à exclure la Hongrie car elle ne respecterait pas les valeurs de l'Union. Je lui réponds, et le LuxLeaks. Il y a un principe ici, le principe de coopération loyale, qui veut également dire qu'il ne faut pas arnaquer ses petits camarades. Vous osez tout, et c'est même à cela que l'on vous reconnaît. Merci. Thanks. And next one,